C'est vrai que je passe pas mal de temps, peut-être trop de temps, hein, à parcourir Internet à la recherche de nouvelles idées de vidéos, que ce soit sur YouTube, les groupes Facebook, les blogs ou même Strava, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Et parfois, je tombe sur des idées, des petites pépites ou bien des conseils que je trouve personnellement mauvais. Du coup, parfois, je pense à les noter et j'ai réalisé récemment que j'en avais noté pas mal, en fait assez, pour vous faire une vidéo juste sur les mythes tenaces en course à pied et voir comment on peut les déconstruire ensemble. C'est parti, premier mythe. La sortie longue, pour une raison ou pour une autre, c'est un petit peu la sortie sacrée du week-end. Presque tous les coureurs font leur sortie longue le samedi ou le dimanche, comme si c'était vraiment un devoir. Et si tu fais pas ta long run le week-end, en fait, bah, le dieu de la course à pied, je sais pas, il donne pas sa bénédiction, quoi. Selon moi, le plus important, c'est que vous fassiez votre volume dans la semaine, dans l'année et dans votre vie. Le volume à vie, on sait que c'est le meilleur prédicteur de la performance, blablabla, on en a parlé plein de fois sur cette chaîne. La long run, elle est importante, notamment pour les marathoniens et les semi-marathoniens. Si votre but, c'est de faire des bons 1500, des bons 5000, des bons 10000, oui, la long run, ça fait partie de la boîte à outils, mais à aucun moment, vous êtes obligé d'en faire une. Et encore une fois, il n'y a rien de magique avec la long run. C'est pas parce que vous allez courir plus de 20 km que d'un coup, votre endurance va être multipliée par 10 ou quoi que ce soit. L'autre erreur que je vois assez souvent avec la long run, c'est que je vois des coureurs, par exemple, débutants, donc qui font plus autour de 30-40 km par semaine, qui vont faire une long run de 15-20 km. Il y a une règle de base à respecter. Ne faites jamais 50% de votre volume hebdomadaire en une sortie. En général, pour la durée de la long run, on parle de entre 15 et 25% de votre volume total hebdomadaire. Sachant que plus vous courez, donc par exemple vous courez, je sais pas, 150 km par semaine, et plus ce pourcentage devra être faible. Parce que si vous faites 20% de 200 km, vous allez faire une long run de 40 km, ça fait pas de sens. Si vous courez moins, vous pouvez vous permettre d'aller plus proche des 25%. Et 25%, ça me paraît déjà beaucoup. En résumé, la long run n'est pas inutile, mais elle est surcotée. Vous pouvez très bien progresser et très bien fonctionner sur toutes les distances sans faire de long run, du moment que vous faites votre volume. Deuxième mythe, la coupure annuelle ralentit notre progression. Je crois qu'il n'y a rien de plus dur pour un coureur que de prendre une semaine, deux semaines sans courir. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la nature de notre sport ou pour courir, il faut être un peu obsessif. Et quand on est un peu obsessif, on a du mal à se désengager de notre activité qui nous passionne ou alors pour laquelle on a juste envie de performer. Mais je l'ai remarqué avec les années et je le remarque aussi avec les personnes que j'accompagne. Quand je commence à parler d'une coupure annuelle, les gens, ils commencent déjà à reculer dans leur siège et ils flippent. Et je comprends parce que moi, ça m'a pris 5 ans avant de comprendre que la coupure, c'était important. Du coup, j'en ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, c'est quand même assez motivant si vous hésitez à prendre une coupure annuelle. Je vous explique tout en plus dans cette vidéo, fait que je pense qu'elle est assez cool. Alors pourquoi la coupure annuelle ne ralentit pas votre progression? En fait, tout dépend à quelle échelle de temps vous raisonnez. Si vous raisonnez à une échelle de temps du court terme, c'est vrai que vous allez perdre un peu de forme quand vous allez arrêter de courir pendant une semaine ou deux semaines. Mais si vous raisonnez à une échelle long terme, c'est là que vous réalisez que la coupure annuelle va vous faire progresser, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, votre forme ne peut plus grandir dans une saison. Et pour redépasser des sommets en course à pied, il faut accepter de se désentraîner pour que le corps se répare, se régénère et soit capable d'encaisser une plus grosse charge d'entraînement la prochaine fois. Et c'est là que vous allez voir des gros gains. Donc si vous vous entraînez toute l'année ou que ça fait même plusieurs années, dans le pire des cas, que vous n'avez pas pris au moins une ou deux semaines sans courir, essayez-le et faites-vous votre avis après. Ça m'arrive souvent de voir des coureurs qui reviennent de blessures et qui explosent leur chrono parce qu'ils n'ont pas couru pendant 1, 2 ou 3 mois. Et psychologiquement aussi, tu as vraiment envie de t'entraîner fort quand tu n'as pas pu courir pendant plusieurs semaines. Quand on court, il faut s'étirer. J'avoue que dans ma carrière de coureur, je pense qu'il n'y a pas un professionnel de la santé qui m'a pas dit qu'il fallait que je m'étire. Par exemple, je me souviens, je suis allé me faire masser il y a à peu près un an par une masseuse qui ne connaissait pas spécialement la course. Et quand elle me demandait si je m'étirais et que je lui ai dit que je ne m'étirais pas, elle a comme eu un effet de surprise et elle ne comprenait pas comment j'arrivais à rester en santé, à performer sans m'étirer, parce que pour elle, les étirements sont indispensables quand on est un athlète. La science a pas mal débunké ça, notamment par rapport au fait que les entraînements ils peuvent être nocifs avant de courir. On sait que c'est pas une bonne idée et que ça peut diminuer les performances et potentiellement augmenter le risque de blessure. Mais au niveau des étirements au quotidien, personnellement, je pense que ça fait partie des trucs qui sont surcotés et super mal compris.
Dans ma carrière, je me suis presque jamais étiré, et les rares fois où je me suis étiré pendant une saison, je n'ai vu aucune différence, et surtout, je pense que ça dépend beaucoup de chacun. Personnellement, je suis hyper flexible, donc si je m'étire, j'ai l'impression que ça peut faire plus de mal que de bien, mais pour une autre personne qui va peut-être être moins flexible, pourquoi pas? Si vous sentez vraiment que ça vous fait du bien, dans ce cas-là, faites-le, écoutez-vous. Mais si vous le faites parce qu'on vous a dit que c'était obligatoire, à mon avis, c'est une perte de temps. L'autre truc, c'est que je pense qu'on confond mobilité et souplesse. Alors, je suis vraiment pas un expert dans ce domaine-là, mais dans ma compréhension des choses, on peut être peu souple. Prenons l'exemple de Kipchoge, qui n'est pas capable de toucher ses pieds. On voit qu'il n'a pas une souplesse exceptionnelle. Par contre, il a l'air d'avoir une excellente mobilité, comme le démontre sa foulée, avec une belle extension de la hanche, etc. Donc selon moi, un coureur doit avoir une bonne mobilité, mais pas forcément une bonne flexibilité. Ensuite, le mur du marathon. Selon moi, le mur du marathon, c'est vraiment un mythe. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas des coureurs qui, au 30e ou au 35e kilomètre, ont complètement cassé. Mais à mon avis, s'il existe un mur du marathon, alors il existe un mur du 5 km, du 10 km ou du semi. Et là, on voit que ça fait pas vraiment de sens. Dans ma compréhension des choses, il y a trois raisons pourquoi on se chope un mur du marathon. Première raison, vous n'avez pas pris assez de gel et ou d'eau. Et dans ce cas-là, vous avez un déficit énergétique. Dans cette situation, on va dire que c'est un mur énergétique que vous prenez. Il y a une façon très simple de résoudre ce problème, c'est de prendre davantage de gel. J'en parlais sur ma vidéo sur le marathon. Personnellement, j'avais pris 175 g de glucides durant mon 2h20. Donc si vous courez plus longtemps, probablement que vous devriez prendre plus de glucides. Sachant que plus vous courez vite, plus vous avez besoin de glucides. Donc c'est tout un calcul à faire. Deuxième raison pourquoi on se chope un mur, c'est parce qu'on part trop vite, un mauvais pacing, une mauvaise gestion de l'allure. Et si vous partez trop vite, que ce soit un 5, un 10, un semi ou un marathon, vous allez casser. La seule différence, c'est que si vous avez une mauvaise gestion de l'allure sur marathon, vous allez le payer beaucoup plus longtemps que sur un 5, un 10, un 15, un 21, etc. Si vous cassez au kilomètre 30 du marathon, vous avez 12 kilos à courir alors que vous avez déjà dépensé toute votre énergie, toutes vos cartouches. Si pendant un 5 km, vous avez une mauvaise gestion de votre allure et que vous partez trop vite et donc à 3 ou 4 km, vous prenez un genre de mur, c'est pas très grave, vous avez juste un kilomètre à courir dans la douleur. Dernière raison de pourquoi on se chope un mur du marathon, c'est que votre entraînement il n'était pas suffisant, vous avez peut-être pas assez fait de kilomètres durant votre prépa, et du coup vous avez juste un manque d'endurance. Donc voilà, l'idée c'est de dire qu'il n'existe pas un moment magique dans le marathon où on va se choper comme ça un mur. Si vous avez déjà vécu un genre de mur du marathon, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et dites-moi à votre avis pourquoi vous avez vécu ça. Avant-dernier mythe, et là c'est un gros morceau, on pourrait presque faire une vidéo juste là-dessus. J'en parlais déjà un peu dans une autre vidéo, on parle de la perte de poids. Il faut être maigre pour courir vite. Je pense que c'est le plus gros mythe de la course à pied, mais le mythe qui a fait beaucoup de ravages aussi chez les coureurs. Bon, c'est un truc que vous allez entendre toute votre carrière, et peut-être même plus en France qu'au Canada. Pour la petite anecdote, quand je suis allé m'entraîner en France, j'ai déjà entendu certaines personnes du genre coach, genre de truc, dire à leurs athlètes qu'ils devraient peut-être perdre un peu de poids, que s'ils voulaient être meilleurs, ils pourraient perdre du poids, etc. etc. Perso, je trouve ça juste aberrant qu'un coach puisse dire ce genre de choses. Et si vous avez déjà entendu un coach dire ça, sachez que c'est pas normal et que c'est comme ça qu'on crée des problèmes du comportement alimentaire et des pathologies qui sont en fait assez graves, mais assez courantes chez les coureurs. J'ai cru à ça pendant très longtemps et je pense que la raison principale, c'est que j'avais envie de ressembler à un coureur élite, d'être très maigre, voilà, je trouvais que c'était stylé. Limite à cette époque, j'aurais préféré être très maigre mais un coureur moyen que un peu plus gros et un coureur rapide. C'est pour vous dire à quel point ça peut être quand même grave comme croyance. Bon, d'abord juste pour démonter le mythe du « si tu perds du poids, tu vas courir plus vite », j'ai déjà parlé d'une étude qui montrait que c'était pas vrai. En fait, tout le monde a un poids de forme et si vous perdez plus de poids que votre corps ne peut l'accepter, vous allez avoir une chute des performances. Le mécanisme est sûrement très complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que votre poids sera toujours une conséquence de votre entraînement et de votre capacité de manger à votre faim. Si vous mangez à votre faim et que vous vous entraînez bien, votre corps il va trouver son poids tout seul. Je prends mon exemple, en ce moment je cours moins, j'ai fait une grosse année 2021, du coup en ce moment j'ai ma cheville qui me fait mal, j'ai décidé que j'allais prendre un peu plus de temps pour récupérer, c'est juste mon corps qui m'envoie un message, je l'accepte. Je me suis pesé juste par curiosité, j'ai vu que j'avais pris 3 kilos. Prendre 3 kilos, c'est pas un problème, parce que je sais que mon corps, s'il en a envie, et c'est pas obligatoire,
y perdra ses 3 kilos si je m'entraîne bien et que je continue de manger à ma faim. Récemment, j'ai parlé avec plusieurs coureurs qui m'ont envoyé des messages après ma vidéo sur la nutrition et qui me demandaient un petit peu des conseils sur comment manger de façon intuitive. Est-ce que c'était grave s'ils mangeaient des trucs du genre du chocolat, de la pizza et tout? Et parmi ces coureurs, il y en a un qui m'a recontacté et qui m'a dit qu'il avait explosé son temps aux 10 km après avoir pris 2 kilos parce que depuis il mangeait un peu plus. C'était un mec qui en fait s'empêchait un petit peu de manger ce qu'il voulait et tout. Des exemples comme ça, j'en ai vu beaucoup et j'ai vu aussi beaucoup d'exemples inverses de gens qui ont perdu beaucoup de poids, qui ont parfois bien performé et qui ont fini par crasher, que ce soit en termes de blessures, écœurement de la course, problèmes psychologiques, etc. Et en fait, le pire truc qui peut vous arriver, c'est de super bien performer pendant une période où vous perdez beaucoup de poids, parce qu'après ça va être très difficile de penser autrement et vous allez être certain que c'est cette perte de poids qui vous a permis de performer, alors que c'est un peu un raccourci. On peut toujours arriver à la même performance avec de l'entraînement et avec une progression plus long terme. Donc à moins que vous ayez un taux de masse graisseuse qui soit énorme à perdre, ne vous prenez pas la tête avec votre poids, mangez à votre faim, mangez de tout, que ce soit des bons aliments comme des mauvais, vous êtes un coureur, vous avez besoin de beaucoup manger, et votre poids va changer naturellement. Le dernier mythe, c'est la course pieds nus ou en minimaliste qui seraient les meilleures façons de courir et qui pourraient prévenir les blessures. Il y a eu un gros mouvement minimaliste, je pense qu'il y a à peu près 4-5 ans, c'était vraiment le pic où on voyait beaucoup de gens courir pieds nus, courir en five fingers, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et je pense que l'origine de ce mythe, en fait, ça a commencé en 2012 quand le docteur Lieberman a sorti son article sur sa théorie de l'évolution et comme quoi la course pieds nus, c'était le mieux pour les coureurs, pour apprendre à courir, blablabla, etc. L'idée, en fait, ce serait que la chaussure, elle nous empêcherait de développer toutes les qualités de notre pied et que courir pieds nus, bah, ça nous aiderait à avoir une foulée plus naturelle. D'ailleurs, on donne souvent l'exemple du marathonien Bikila. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce mec, mais il avait couru 2h15 pieds nus dans les années, alors je sais plus, il y a vraiment longtemps, 60, 40. Vous me direz en commentaire, on ira vérifier ça. Et du coup, comme il y a un mec qui a couru pieds nus vite, on pense que voilà, c'est la meilleure façon de courir, etc. Sauf que si c'était la meilleure façon, bah, aujourd'hui, on verrait des élites courir pieds nus. Et sauf qu'on voit très bien en fait que les chaussures ont amélioré les performances. Ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement bien pour le corps, mais au niveau de la performance, cet argument déjà, il ne marche pas. Donc voilà, hein, c'est vraiment l'idée qu'il faut retourner aux sources. Ça me fait un peu penser à la nutrition avec tous les régimes paléo, etc. où on veut manger comme nos ancêtres, sauf qu'on n'est pas nos ancêtres. On n'a pas les mêmes conditions de vie, nos corps ont changé et on fait absolument pas les mêmes trucs. Je pense pas que nos ancêtres, ils se tapaient des 100 kilos voire plus sur du bitume pour aller faire des courses en mode 3-20 du pace. Je pense pas que vous devriez faire comme Lucie, notre mère à tous, qui courait probablement en five fingers, on sait pas hein. Après attention, je dis pas que la course pieds nus c'est nécessairement une mauvaise chose. Je dis que courir tout son kilométrage pieds nus ou en chaussures ultra minimalistes sur du bitume, ça peut être très problématique. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que la course pieds nus ou en minimaliste, ça mettait plus de stress sur le bas des jambes, donc les pieds, les tendons d'Achille, les mollets, etc. Après, si je veux être tout à fait honnête, je pense que courir pieds nus, ça m'avait un peu aidé durant mes premières années, notamment quand j'avais des périostites. Je pense que la course pieds nus peut potentiellement vous aider à raccourcir un peu votre foulée, avoir peut-être une fréquence plus élevée, parce que si vous arrivez sur le talon ou si vous avez vraiment une foulée trop longue et que vous êtes pieds nus, ça va vous faire mal. Donc en fait, vous n'allez pas le faire et vous allez potentiellement apprendre à avoir un cycle plus court. Donc pour ça, oui. Donc ce que vous pouvez faire, c'est courir 5 minutes, 6 minutes sur le gazon de temps en temps après votre séance ou un peu courir pieds nus sur le tapis roulant. Ça, je pense que vraiment, ça peut pas vous faire de mal. Voilà, j'en ai terminé avec les 6 mythes en course à pied. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Je pense que j'ai encore une liste de 20 mythes tenace en course à pied, vous pouvez me donner des idées, on peut les débunker ensemble. Encore une fois, hein, c'est une vidéo qui se veut un peu de divertissement, donc je pense que pour chaque point, vous pourriez me donner des arguments inverses et je suis totalement ouvert à la discussion. Je pense que l'idée, c'était vraiment de montrer que quand on pense qu'il y a des vérités absolues, bah finalement, si on creuse un peu, on se rend compte que soit c'est totalement faux, soit c'est dangereux, soit c'est pas aussi vrai qu'on le pense. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne course à tous, prenez soin de vous. Ciao.